C'était un dimanche intéressant, il s'est fait quand même passer des choses. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Franchement, les résultats aujourd'hui, tous les dimanches, on fera maintenant le dimanche débrief avec donc Lille, Nantes, 2 buts à 1 début d'après-midi, Strasbourg, Reims, le classique de l'Est et PSG Nîmes qui vient de se finir au Parc des Princes. Et ici même, 3 buts à 0. Tout de suite, évidemment, l'actualité dans les commentaires, dites-moi les banderoles anti Les chants anti le divorce est... Complètement consommé par certains supporters. Quand on voit en dehors des stades, sur les forums, et là, les chants anti-supporters, et maintenant des banderoles, je pense que Neymar, là, il a vu s'il y avait un doute pour lui pour rester ou pas, je pense qu'il dit c'est bon, je me taille, tout le monde m'en veut, et en même temps, à juste titre, quand même, parce que le mec, il y a la situation depuis juin, il veut partir au Barça, et déclaration par rapport à la remontada, je pense que là, c'est terminé, là, je pense que là, il ne jouera pas euh, plus normalement. Alors que s'il est dans le groupe pour Rennes, que là, Leonardo a dit bon, qui joue ou qui ne joue pas, c'est terminé. Euh, en gros, s'il veut jouer, bah, tant mieux. S'il ne joue pas, un bah, gros qui se barre. Tourol a dit qu'il n'était pas prêt, bon, mission diplomatique ou pas, pour pouvoir au transfert, Real Madrid ou Barça, on ne sait pas. En tout cas, je pense que là, c'est terminé pour Neymar, vu ce qui s'est passé. En tout cas, et je pense que lui, ça va vraiment l'énerver. Allez, avec donc euh, Bappé qui a été bon, le buteur sur une belle remise, il était disponible en vitesse, disponible aussi en point de fixation, il y a eu une petite peur à la fin, parce qu'il s'est un petit peu euh, blessé, là on a cru que c'était un drame, parce qu'il y a eu malheureusement des drames aussi de blessures dans l'après-midi. Je trouve qu'il est cohérent, mais peut-être qu'il manque son pote euh, Neymar. Voilà. Je, je trouve que Neymar, le fait que quand Mbappé est à ses côtés, il fait un petit peu plus de gris. Là, il a un petit peu épuré son jeu, à voir si c'est positif ou pas. Di Maria Laurentan qui marque encore un but. Voilà, comme contre euh, Rennes, trouver des champions. Le mec, on, on l'appelle directement comme un Uber. Hein. Euh, J'ai besoin d'un but. Et hop, il arrive un but. Donc moi, Di Maria, je le reprochais d'être bon. Que au printemps, quand il y a la carotte de la Chopin pour se montrer évidemment, et là s'il est bon dès maintenant, ça peut être intéressant pour Paname. Oui, c'est a Peut-être que le renfort de Paris est vraiment à Di Maria l'installer à droite. Moi, je dis ça comme ça. Et dit Cabani, le penalty. Moi, je dis aussi, franchement, je dis beaucoup de choses, mais que Paname a besoin d'un grand Cabani sa dernière année. Il va honorer son contrat. Il ne prolongera pas un homme de classe, chouchou du public. Franchement, il était critiqué par ses contrôles américains, son monde d'investissement, peut-être au début, mais bon, là, franchement, là, il est pour moi. Au rendez-vous, il va faire une grande saison. En tout cas, un bon cavani, ce sera assez intéressant. Et pour les Nîmois, et eh ben j'ai mis euh, clairement euh, Ferrat, j'aurais pu mettre Ripar. 75, 25. Hein, voilà, 760 passes pour Paris. Un seul tir cadet pour Nîmes. Donc... C'est pas le jeu de Blacker hein, le 4-4-2 où ça va vite, évidemment. Là, c'était vraiment un autobus. Ils ont résisté puis ils ont craqué par trois fois. Mais ça va être pas la patte euh, philosophique de euh, Blacker Avec euh, donc ce jeu porté vers l'avant. On marque des buts, on en prend. Là, contre Paris, c'était un peu différent. Il aller voir un petit peu plus tard. Les noms mais il manque aussi. Voilà, tube, Aliwi, Ferry. Il manque quand même des joueurs. Donc le point n'est pas fini. Les amis. Avec donc l'après-midi, il y a eu ce derby avec euh, Thomasson qui marque des buts. Makébi Haifa Il peut être mieux de terrain. Euh, derrière l'attaquant. Il est vraiment assez énorme l'ancien Nantais Et là, sur une... Un contact avec Deleine et Youssouf Fofana, qui s'est blessé à la cheville au moins pour 2-3 semaines. Il aurait pu avoir un rouge. Du coup, juste après, hop, ouverture. Chut, Lienard, hop pour Thomasson Franchement, c'est assez énorme. Je trouve que Strasbourg, l'effectif et les titulaires et remplaçants se valent. C'est assez cohérent. Jeudi, il y aura le match décisif contre Locomotive Plodive à suivre sur la chaîne des amis. En tout cas, c'était assez intéressant. Et ils ont un peu baissé de pied, deuxième mi-temps, avec donc euh, Mess qui a essayé, qui a essayé, qui a essayé, puis qui a réussi avec euh, l'ami Habib Diallo, le meilleur buteur de Ligue de l'an dernier, en tout cas. Mess sur son temps fort, a essayé. Alors Mess, franchement, pour mettre un petit peu euh, en avant euh, quelque chose de, de l'effectif, je trouve que euh, c'est cohérent en attaque. Moi, je trouve qu'un effectif est bon quand il y a des remplaçants qui valent les titulaires. Et là, euh, Gakpa, Niagne, Diallo, euh, get c'est vraiment, euh, même, euh, voilà, Farid Boulaya qui était euh, pour moi le meilleur messin. Attaque, c'est bon. Milieu de terrain. C'est peut-être à revoir. Quad un petit peu vieillissant, c'est bon, mais je pense qu'il faut une vraie sentinelle pour accompagner Endoram et pour accompagner euh, l'ami Maïga. Et derrière, c'est peut-être un petit peu fébrile, franchement. Avec euh, justement Thomas Delaine, qui aurait pu être avoir un rouge, mais qui va très très vite. Mais Delaine, franchement, il est assez impressionnant. Il prenait une vitesse pratiquement tout le monde. Alors, les amis, c'est parti. Avec donc le match de début d'après-midi, c'est un petit peu une tristesse avec euh, l'ami Marcus Coco, qui s'est pété de ouf. Hein. Je mets l'image. Donc, ça, son pied est resté kéblo dans la. Blouse, du coup, bah, au lieu que ça fasse la et normale, eh ben, ça, a pas lâche, ça a lâché derrière. Et hop, ça a pété les gamins croisés. D'après qu'ils sont reconnus c'est 6 mois minimum. Sortie en pleurs, c'était quand même les, les liés droit phare, le recrutement de phare de Nantes. Du coup, c'est Mutusami qui a été à droite, il est plutôt à gauche. Là, donc, euh, on a vu Khalifa Koulibaly qui était un petit peu esselé, même s'ils ont eu leur temps fort, en tout cas. Franchement, dans les commentaires, ça va être chaud, les amis, mais je pense que c'est une grosse perte pour euh, le Nantes. Donc, je sais pas s'ils ont un joker médical. De toute façon, ils y ont le temps jusqu'au 2 septembre, mais mine de rien, ça fait un petit peu de mal. Sur euh, Lille, voilà, Lille, ça a démarré direct avec Ossimène, la nouvelle star, bah, carrément, qui a fait la canne. C'était énorme, quand même, franchement. Sur le but... La super ouverture, il est puissant et hop, il trompe Alban Lafont. Tu dis, waouh, un but, ok. Et deuxième but, pareil. Avec donc Yacidi qui était rentré, la star où tout le monde a acclamé. C'est vrai qu'il a du ballon, le chevelu. Il y a du ballon de ouf, franchement, c'est à revoir. Mais si Yassidji euh, remplace PP numériquement et l'ami Osimen remplace Léao, c'est tout gagner. La Wob, comme j'ai appelé euh, en live, les amis, création ou pas, j'en sais rien, mais bon, j'ai sorti ça comme ça. Avec Wea, Osimen et Bamba, avec Iconi derrière. La IWOB, ça va être quand même pas mal, franchement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir le recrutement. On aura pu avoir des doutes par rapport à Lopez, mais c'est vraiment des bons joueurs de foot. Franchement, c'est des bons joueurs de foot. Donc, ces deux-là sont à prévoir, les amis. Et donc, aussi, Donc, déjà deux buts. Donc, c'est petite révélation pour moi, ce qu'on ne connaissait pas non plus de ouf. Mais franchement, puissant, technique, rapide. Il en veut. Il a une frappe de balle de ouf. Assez intéressant. Et du coup, Giroto, parce que c'est lui qui a marqué le but contré par Selic. Au milieu de terrain, c'est lui qui rayonne. Rongier peut-être partir pour Marseille. Mais girotteau je trouve qu'il était au quart plat euh, par pas mal d'entraîneurs. De, je trouve qu'il est assez intéressant. Franchement, il est bien. Euh Porté vers l'avant, box to box, il peut gratter, il peut aussi euh, euh, faire le, le patron un petit peu de ce milieu de terrain. Franchement Giroto avec euh, Touré et Rongier, Rongier on va voir s'il va partir, mais je trouve qu'il faut se baser sur le jeu Nantais là-dessus. J'aurais voulu peut-être voir peut-être direct un 4-4-2 de Gourcuff, mais bon il n'a pas trop les joueurs parce que lui ça va être du 4-4-2 à plat, il ne bougera pas. Hein. Lorient, Rennes, il essayé même des fois, mais là 4-3-3 on va voir, donc il faut laisser du temps Christian Gourcuff. A voir, Nantes, une réserve en tout cas, les amis Voilà, on se retrouve donc demain pour Le grand décrassage, mais d'abord Le classement qui veut absolument rien dire Les équipes à 3 points, il y en a 8 avec Lyon, Paris, Angers, Reims Lille, Nice, Saint-Etienne et Rennes Les équipes à 1 point, les matchs nuls, il y a 4 les amis avec donc euh, Toulouse et euh, Strasbourg. Et les équipes à 0 points. Amiens, euh, Dijon, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Monaco et Nîmes les amis. Donc comme je vous disais le grand décrassage demain 21h, 23h pour revenir sur ce week-end de Ligue 1. Pour revenir sur le week-end de Première Ligue aussi. Parler de la fin du Mercato. La Liga qui va arriver avec donc A.S. decrypt avec Alex de Castro, avec Snake Hill. Avec euh, l'ami Frankie Foot, avec Tarek euh, Debrief, Les Monaco. Ça va être juste énorme. Et moi-même, évidemment, restez donc connectés demain 21-23h, j'attends vous attendre nombreux. Et sur le chat, vous pourrez réagir aussi avec nous. Allez les amis, je vous laisse, je vous kiffe de ouf. Et salut, 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 salut. Et salut les amis, ciao. J'ai à de demain. mais j'ai te demain, carrément.